Bonjour, Mais bonjour, pas... bonjour. Comme par Bonjour. hasard, Nikita, il a tout de suite, hein. Ah, parfois ça tout de suite, sinon je te cours la deuxième fois. Mais ce qu'il fout, ce connard, c'est normal. Je vais tout de suite. Viens ici, la deuxième. Cours, Nikita, cours. Cours, mon frère. Ce que je fais là, je vais avoir son petit. Yamakalalele. Nikita, t'as intérêt à courir. À la chasse aux Russes. On va chercher le gibier. Un gibier, donc, un t'as déjà gibier lancé blond avec des yeux bleus, tiens. Gibier. Gibier. Laissez-moi tranquille, putain. Il y a ici toute la merde, je me suis coupé. Laissez-moi. Oh merde, elle est immense ta baraque, Maxime. Gibier, gibier, gibier. Non, je te jure, si j'ai un arbre, je te trifle le cul. Dis Maxime, elle est énorme ta baraque. Ouais. Et tu peux remercier Jérémy, il a grandi encore plus. Non mais GG, fais des étages. Parce que là, d'abord le truc. Je m'en fous des étages. Moi je veux juste que ce soit le plus grand. Je vis dans un trou. Pourquoi fais sauter? Je suis con. Cours Nikita, cours. Tu filmes Steve? Bah oui que je filme. Ah, je veux avoir ma la confirmation. C'est peut-être pour ça que... Qu'est-ce qu'il fait l'autre là? Mais qu'est-ce que... Donc moi aussi j'ai lancé ma deuxième vidéo. Eh hey, mais... Ma parole, si je meurs par tes conneries, je te fais tomber par la force de ton cul. Un Nikita. Mais il fait vraiment exprès de se foutre devant ma gueule. Mais c'est un russe. Gibier, gibier, gibier. Je vais pas parler. Mais c'est enfoiré. Laisse-moi tranquille. Pauvre Nikita, il se fait courser. Je vais appeler la police, c'est un viol. Ou gibier, comment vas-tu? Tu veux oh putain, ah les deux pédos, ah le pédobirde. Allez, demain, tout de suite. Fonce, Nikita, fonce. Arrête de chier ta cobble partout, hein. Allez, donne-moi cette enclume. N'importe quoi cette vidéo. On fout, je passe sous l'eau. Laisse-moi tranquille. Alors, pied, on aime ce. Salut, mon nom salope. Faire fouetter. Maintenant, c'est moi qui va aider. Allez. Salut. Aïe. Dégage. Te poursuivrai jusqu'à l'univers du monde. Je vais couler. Ouais. Attends Steve, je vais t'aider. Steve, je vais t'aider. Non mais toi j'en ai m'en fous. T'es pas un gibier, toi t'es un casse-croûte pourri. Il va te faire foutre toi. Mais je vais t'aider, je t'ai dit, connard. Un casse-croûte avaré dans la D-Riving. What? C'est quoi cette maison? Enfin bref, je crois que je vais faire mon enclume moi-même parce que j'ai assez de faire en fait. What the fuck? Alors what the fuck, man? Oh, c'est quoi la maison chelou? La maison qui sert strictement à rien parce qu'il n'y a pas d'étage. Mais allez tous vous faire foutre avec vos étages! Ah j'ai eu l'enclume! C'est la motive, t'inquiète pas, c'est normal. Par contre, on a fait une jolie structure, Steve, n'est-ce pas? Ouais, par contre, on a fait quand même une sacrée course parce que j'ai quand même fait plus de 100 mètres hein, pour te couper. Quoi? J'ai créé un raccourci à la grotte sous la baraque. Non, les gars! Si ça intéresse quelqu'un. Non, okay. Ça intéresse personne, sauf ma pie. Xavier, tu m'auras plus jamais. Je dirais pas, j'ai planqué les 300 milliards d'euros. Bonsoir. Je sais, tu peux t'épé. Mais t'es un peignant, toi, tu t'es pété, toi. Je me suis chier à te courser pendant jusqu'à 100 mètres et je referai 100 mètres et toi, tu t'es pété. Connard. Mais c'est un Nikita, c'est normal. Bon, c'est la salle d'enchante. Je crois que là où il y a le petit postérieur, c'est pour mettre la table d'enchante. Oui. Ouais. Ok. J'ai déjà fait les trous pour les bibliothèques. Ok, qu'est-ce qu'il fait lui? Merde. Je suis perdu, quelqu'un peut me TPR lui? Mais c'est pas l'heure de pisser, bordel. J'avais une grosse envie et la table. Perdu. Mais non, mais. J'avais une grosse envie, j'avais tarara. Attends.
Attends. Qu'est-ce qu'il fait lui? Mets l'enclumier ici, Steve. Ouais, là. Mais non, on la met pas là, on la met là dehors. Non, mais comme ça, on a pas besoin d'aller plus loin que le 10. Non, mais moi je dirais la mettre là, tu vois. A l'aide, les gars, je me fais attaquer. Mettre là, la place de ce bloc. Ah, tu le tues qui t'attaque. Mais bande de connards, je me fais attaquer, personne ne me donne. Il est à poil, il est à poil. Et alors, ça te dérange qu'il est à poil, Tom. Bah, c'est pas comme internet, tu commences à poil, on va dire. Comme ma pique. Faut essayer de trouver un mouton, les gens. Tu viens juste de naître. Non, c'est mon lag. Moi, je me fais une armée entière, comme ça je peux l'enchanter. Oh, y'a un mouton, les gars. C'est avec quoi qu'on fait ramener les moutons? Du blé. Ah, les gars, ça va être notre mouton préféré. Vous allez comprendre pourquoi. Damien, Kita, c'est chelou que tu dis ça va être notre mouton préféré parce qu'à chaque fois que je faisais une aventure avec Damien, ils appelaient un mouton ou un cochon Nikita. Elle est où l'enclume? Hein, comment avec Théo sur le porte, quand t'avais le truc sur le portable? Elle est où l'enclume, c'est... Dans mon pantalon. Bah, les gars, je suis paumé. Quelqu'un peut me TP à lui, non? TP toi à moi. Bon, il me reste un point d'enchantement pour mon épée en diamant. TP toi à moi. T'as un châtiment. Oh, je prends la lumière, c'est terminé. Ah, c'est bon, je revois. Ah là, mais Steve, on est en violet là. Ouais, on est l'équipe des gays. Enfin, non, moi je suis pas vraiment gay parce que moi j'ai deux filles, on dirait. Ah, putain, non, mais. Nikita, travaille. Steve. Bon, exécute, tu sais qui, allo, ok. Steve. Tu veux te TP à moi? Oh yeah. Moi aussi, je pense que j'ai un skin de. De pute. Pardon. De bitch. Elle est où l'enclume? Tu l'as mis où là en l'enclume? Elle est pas mis. Si, voilà, moi je suis en train de dormir dans le lit de. Arrête, on retirait des pédobires. Non mais là s'il te plaît, grouille. Enfin, c'est pas des pédobires, c'est des pédobires. Elsacien? Mais là, on m'en par terre ici. What? Je dors dans ton lit. Et attends, casse-toi, connard! Bon, tu sais quoi? D'où tu dors dans mon lit, toi? Oh, voilà. Mega fuck you! Steve, tu te souviens? Bonjour. Tu voles, tu payes, tu ma pute! Oh, le mec, il va utiliser Nentak pour rien, quoi. Salut, what the fuck, man? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Je ferme sous le champ de blé, j'ai le droit. Allez, visite. Bon, je te dis juste. C'est ouais, ton travail. Moi, j'aime bien. Pour une fois qu'on dit que ma maison n'est pas de la merde. De quoi t'aimes bien? La maison de Xavier, c'est. Pour une fois pas que c'est pas de... qu'on dit que c'est pas de la merde. Ouais, vas-y, abuse pas, Damien. Merci, GG, pour les. Bon, je peux pas utiliser tous les autres. Damien, putain, casse-toi, sa zone, gars, abuse pas là. Merci, Steve. Rends. La porte! Tu rends. J'ai oublié. Allez, viens là, tu rends, sinon je te tue. Et le blé aussi. Non mais abuse pas Damien, putain, sérieusement. On va mettre sur quoi les étiquettes? Les animaux, les mobs. Allez, tu rends les graines, tu les pousses. Vous savez qui allez. C'est moi. De quoi? Les graines. Et les étiquettes, tu me la rends, c'est à moi. Putain, t'abuses. Je peux enchanter mon épée. Étiquette, tu me la rends de cette. Elle est solide. Allez. Sinon, j'appelle inspecteur Castellano. Bon, pourquoi j'ai cette musique en tête là? Bon, et l'étiquette, tu me la rends là? Mais je veux tester sur quelque chose. Non, mais l'étiquette est là, moi. Et si tu me l'uses, je te trucide. Mais je veux tester sur quelque chose. Tu me la rends tout de suite avant attends, que je t'en fasse cette épée. Attends, on va le défoncer. Steve, ça te dit qu'on arrive de le dégommer, l'autre connard? Quoi, il est dessus le bouton? Oui, non, le tue pas. Mais putain, je lui ai fait peur, enlève ton épée. Mais attends, il y a un blob là. Merci.
Espèce de bâtard d'enculé de ta main qui ont gagné. Fils de Blob. Bon, le fils de Blob. Bon. Donc j'ai récupéré cette étiquette. Pardon. Non, mais... Désolé. Mais pourquoi tu l'as tué? Putain. Maxime. Je me casse le cul à la ramener. Non, toi tu le tues. Putain. Mais c'est Maxime, qu'est-ce que je te dis? Il a pas de cerveau. À moi, t'es bizarre. On va arrêter. Je suis obligé de le tuer. On s'en fout. Parce qu'il est pas halal. Mais je m'en fous, non, mais arrête, c'est tout, point, arrêtez de toucher au mouton. Oh shit, j'ai entendu un boom. On voit d'autres. Quoi, tu vas ramener un boom jusqu'ici, toi? Là, j'ai cru voir courir un cochon. En fait, c'est pas ça. Je voudrais ramener un mouton, moi, juste pour faire un truc, pour que ça soit notre mouton. What? Un squelette, archer. Et bon. En plus, il y a une arme. Je vais faire, mais bon. Je vais encore prendre bientôt. GG, on se fait attaquer. Dès qu'il y aura pas un Maxime qui va tuer un mouton. On va laisser crever un Maxime. Ouais. Bon, je vais pouvoir faire du pain là parce que là, je n'ai plus de bouffe. Ah non, ah merde, il est pas mort. Eh ben non, j'ai tué l'archer en cuir. Oh merde. Voilà. Attends. Allez, fais-moi les 300 000 euros que t'avais parié. Vas-y. Bitch, clashé. Bouché. Pignot de lapin, j'espère que t'aimes le dernier étage. Si t'aimes pas le dernier étage, tu vas te faire démonter. Ouais, il est trop classe. Bah tant mieux. Allez, ramène-le le mouton. Nicky, qu'est-ce que je raconte? En fait, y'a pas de cochon, par hasard? Viens là, j'ai du blé. Vu qu'il y a tout le monde qui se plaint qu'il n'y a pas d'étage, je vais en faire. Allez. J'avoue. Oh, par contre, je lag comme un fou là. Tu parles à qui, au mouton ou à moi? Au mouton, bien sûr. Bah, il y a un mouton devant moi. Ouais, mais pardon, quand j'entends parler de blé, moi je dis merde, alors c'est pour faire du pain. Mais c'est magnifique. Bon, alors comment est la maison? Ouvrez la porte. Allez, les gars, je vois un Enderman dans les environs. Pinoula, par contre, c'est quoi ce truc moche? C'est ma bite. De quoi? Non, t'as rien entendu. Ouais, y'a tout en cobble qui. Ici, c'est l'entrée de ma grotte. Alors, le premier qui critique ma maison, je fais tomber du gravier. Tu crois que ça nous fait peur, ça? Nikita? Ouais. Tu dois quitter après ou pas? Ouais, je pense. Ah, c'est con. Oh merde! C'est vraiment con. Pourquoi? T'aurais pu faire un 1v1 contre un gars que. Bah, le gars que je te parle souvent. What? Voilà, c'est notre mouton. Alors, t'as fait comment? Bah, tu prends en même temps, tu fais Jeb avec le petit truc. En fait, t'écris ça et ça te fait ça. Ça te fait un mouton comme ça. Pourquoi ça prend pour que je fasse ça? Ah, t'as fait un truc Jeb là? Ouais. Ah, tu peux essayer de faire sur les autres là. Et essaie de le tendre une fois. Dis les boules de slime, ça sert pour les popos? Non. Oh shit, ça sert à rien en fait, cette merde. Ah, ok, là, ça devient Jeb. Les gars, les boules de slime, ça sert à que dalle. Voilà, ah ouais. J'ai fait ma petite... Non, ça peut servir pour... Faudrait que je fasse des tableaux. Pour faire des circuits redstone, je sais plus quoi, là. Ah. Bon, bah voilà, les gars, on a un autre mouton, s'il vous plaît, le tuez pas. Je vous en supplie. Ah, les tu vas trouver un autre mouton pour la reproduction. Non, c'est juste... Bon, je vais essayer de trouver des cochons, putain. Bon. Il faut, si quelqu'un peut me rendre sérieux, c'est créer le laboratoire psychopathe non. Que... Voilà. Ne sors pas. Oh, merci. Tu l'as mis dans ma baraque ou le mouton? Quelqu'un serait sympa de créer... Voilà, on a notre divinité, les gars. Le laboratoire. Ah ouais, moi je veux bien. Nikita, Elle, ça devait pas être une invitée. D'où elle sort, l'intrus là-haut? Celle qui parle. Jérémy, à la limite, ce que tu pourrais faire, c'est de commencer par là, sur ce mur-là.
Non, 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 si je tape dans ce mur là. Putain, y'a pas de cochon. Y'a de l'air. Hein. C'est quoi le. Non, y'a pas de l'air, y'a. Pire. T'as quand même un peu de marge. Waouh. Hey, eh, gars, tu... hey, Blue Kyo, tu t'es cassé cul à faire un truc en cobble juste pour mettre une pancarte pour faire que ça soit une tête. Bah, en fait, c'est un personnage. D'accord. Tu vois, c'est un croyant, c'est un bonhomme. Il est comme Ida, il est comme Idan, il est comme Idan, il croit en Dieu. Enfin, un dieu chelou, mais il un dieu. En, il croit en Gutsch. Tu vois, c'est un bonhomme. Dieu cobble. Ah, dieu c'est Steve, c'est pas ja, c'est pas Jashin, mais c'est. Ah, j'écoute te dire, c'est pas Jack l'Éventreur. Ouais. Jack l'Éventreur, c'est Raiden. Non, non, là-dedans, je vais faire le truc laboratoire, ce que veut à tout prix Steve. Pourquoi il écrit? Ah oui, il a coupé son micro. Il est trop loin. Putain, c'est qui a pété ma baraque? Maxime. What? Pour une fois, c'est pas pourquoi moi. Pourquoi vous l'avez tondu, le pauvre là? Il a construire la fin de. Ah oui, mais là, par contre, ton jab, il sert un petit peu à rien, comme s'il peut pas nourrir de, s'il peut pas manger de l'herbe. C'est qui le fils de sa maman qui a envoyé un creeper dans ma baraque? Merde alors. Si tu peux pas, s'il peut pas manger de l'herbe, il pourra jamais retrouver sa. Sa couleur. Alors, la maison de Xavier, ouais, elle est belle. Parce que je l'avais pas encore vue en fait. Non, mais regarde derrière, Steve. J'ai pas envie de taper le mouton là. Regarde, viens, regarde en haut, viens. Ah, en haut. Mais, il me regarde. Ouais, regarde, il regarde, viens avec moi en haut. Ouais, je me dis, y'a tout le monde qui veut ou quoi, ça quoi. Regardez-moi ça. C'est qui a fait ah, ça. Ah, d'accord. Un creeper. Ouais, je pense. Non, mais un creeper, ça peut pas faire ça. À moins que c'est une TNT ou un mec qui t'en veut vraiment, je sais pas. C'est bon, ça c'est pas Nikita. De quoi? Bah en tout cas on n'a pas de preuves, parce qu'il y a une partie de la maison qui était un peu pétée on va dire. Oh merde. Fils de sa maman, celui qui a fait ça. Bah j'avoue c'est quand même un peu glauque, un creeper ça aurait fait quand même une explosion plus grande quand même. Non c'est quelqu'un qui a pris une TNT, c'est obligé. Bah le seul qui fait des TNT c'est... Maxime. C'est pas moi, j'ai pas de poudre à canon. Pas possible que c'est Nikita. Bon, ouais, Nikita. Moi, j'étais en train de toute façon, il y a un moyen très simple. Vous regardez ma vidéo. Et surtout que j'ai pas de poudre à canon. Je suis pas allé dans les mines. J'ai pas buté de creeper. Ouais, c'est juste pour te faire des vues que tu pètes ma baraque, connard. Par contre, le jab, j'aime bien. Hein, je suis sûr que c'est Damien. Juste pour m'accuser. Mais... Le Jeb il a poil mais tant qu'il peut pas manger de l'herbe il... Maxime, faut que je t'avoue quelque chose. Ah tiens. Ta chaîne. C'est mort. Ah, qui a de la ficelle? Eh bah va te faire foutre. Qui a de la ficelle? On se calme. La ficelle oui j'en ai, je peux t'en passer. La ficelle elle viendra fissa. T'en faut combien? Bon tiens ta gueule. Ah je vis pas. Non, je regarde. C'est bon. Et voilà, ouais, putain. Tu peux me faire genre les matériaux, genre alambic. Ça va avec ton mouton? J'ai les alambics. Cette fois-ci, je vais me retenir de le tuer. En plus, il est trop mimi, je vais le violer. T'as 12 alambics à poser. Hop, top chrono. Là, je vous préviens, je regarde les vidéos de tout le monde. Si je remarque un blème. Chez toi, Maxime, c'est mort. T'es out. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est dormir chez toi et te filer des objets dans ton coffre. Si, j'ai utilisé toute ta ficelle. Hein. Tu m'as mis des objets dans mon coffre ou tu me les as volés? Je te les ai filés. Je t'ai filé des. Nikita, il est où Jeb? De la pierre, des trucs comme ça. Qu'est-ce que je t'ai filé? Oh, Jeb. Ah, merci quand même pour Lucie. Ah oui, le silex aussi. Oui. Maxime, dégage maintenant. La porte, putain, t'as pas de porte chez toi? Je vais lui péter sa gueule à ce connard. T'es mort là. Maxime, t'es mort. Ah, Johanny. Ah, tant pis mec, Jeb il est déjà touché, j'ai mis une laisse. T'as quoi comme... Elle a quoi comme enchantement ton épée, Maxime? Tranchant, 1. Oh shit. Et toi? Elle fait plus de dégâts quoi. Ouais, et toi? Solidité 1. Ouais bah. J'ai une idée. Mieux vaut pas se frotter à moi. Moi j'ai plus. Attends, c'est combien?
plus 7,25 points d'attaque. Ok, salut. Ciao, Nika. Adieu. C'est qui, Dieu? Bon, ah ben, on a un habitant, moi, qui dégage. Oh, les gars, voilà. Moi, je vous dis, ça, là... Bon les gars, personne ne touche à ce que je viens de faire. C'est là où il y a Nikita qui s'est déco. Hein? Du coup, quand il va se reco. Comment on fait déjà une pancarte? Je m'en veux plus. En fait, tous les arbres qui ont spawné autour de la baraque, c'est moi. Dams, c'est où que t'as mis que Nikita? Derrière toi. Enfin, je me suis souvenu comment faire, mais... Dis-moi, il s'est déco où, Nikit? Non, j'ai pas pris de laisse. Ah, parce que, je sais pas, il y avait une laisse à Jeb, mais je sais pas, elle a disparu. Dis, Dams, il s'est déco où, au fait, Nikit? Bah là, il y a le gros tas de bouse, là. Juste là où il y a mouillé froid. Je l'ai enfermé dedans, mais comme il s'est déco... Oh putain, l'enfoiré! Et j'ai tout recouvert, hein, donc il se reco, il suffoque. Mais on va le TP. Alors Maxime, tu aimes ma divinité? Ouais. Il va dire non. C'est qui a fait de la roche? Pas moi. Allez. Des nichons t'as dit. Non. Bah ouais. Attends, Maxime. Oh, gay. Tu veux faire quelque chose? Gay. Qui c'est qui m'a touché? Moi. Reviens là. Pourquoi t'as déco? Mais il voulait me tuer l'autre connard. Bon, moi je vous repartage les composants pour mes alambics. De toute façon, oh merde, il est 35, bon ça va, 35, mais j'ai envie de regarder un épisode. Mais bon. Avant de me coucher, j'ai envie de regarder un petit épisode de Naruto Shippuden, mais je vais le quitter. Je fais ce que bon, ça se fait pas, mais... Parce que, je te demande juste c'est de couper ton micro de ton son quand même. Hein, parce que... Ouais mais je coupe le micro, t'inquiète pas, on m'entendra pas rigoler. Hein. Vous trouvez en comment fait... mes arbres? Quels arbres? Oh shit. Bonjour. Oh du verre. Putain il m'entendait le connard. Mais c'est quoi ce gars? Si, faites quelque chose les mecs. Allez viens, juste un coup. Mais tu m'as déjà envoyé une patate, connard. Non. Si. Ah si. Ah bah ok, c'est bon, j'y vais. Ah bah si je te vois me redonner une patate. Aïe, patata. Voilà. Et en plus, une fiole d'eau que je voulais. Eh c'est marrant, 12 alambics pour 12 fioles d'eau que j'ai. Bon. D'accord. Allez, Dams. Bon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire On va pouvoir enfin créer mes popos. I'm in love with the popo. Faire mon grand psychopathe de popo. Steve. Ouais. Là, tu peux chanter I'm in love with the popo. Non. Si. Non. Si. Ta gueule. Si, je te dis que si. Lui, je te dis que non. Alors, tu es content déjà? Oui, je suis content. Moi, je suis pas c'est content. C'est son cadeau pour Noël pour les psychopathes. C'est un laboratoire. Ouais. Bon, il me manque... Je pourrais pas faire grand-chose, en fait. Je pourquoi, je il crois. Manque les tableaux. Il manque des tableaux. Il fait quoi? Bah moi je fais rien pour l'instant. Alors, Damien, toi tu fais quoi? Ah, t'as la statue bizarre là. Maxime, tu fais quoi? Hein? Tu fais quoi toi? Moi, ce que je fais? Ouais, ouais. Moi, je suis en train de creuser des mines dans la mine. Ah. Et Xavier? Je joue au bûcheron. D'accord. Pourquoi? Je fais de l'élagage. Comme ça? Mais de l'élagage extrême. Mais par contre, pour la prochaine vidéo, il faut que je revoie comment on fait des tableaux. J'avais vu la dernière fois, mais je revois. C'est un bout de laine
entouré de plein de sticks. Ok. Mais ce serait bien des tableaux chez moi, ça décorerait. Si je suis trop dans la tour comme ça. Ah, Steve, j'ai 3 laisses pour toi au cas où. Hein. Ouais, ça pourrait être pas mal pour les chevals, enfin, qui sera que je ferai beaucoup plus tard. Pour les chevals. Chevaux. Ah, bah, les ouais, chevals. Tu t'es entendu en rue. Ouais, c'est des fois. Qu'est-ce qui t'arrive maintenant, hein, être aussi merdique en français, c'est normal. Non, mais je suis encore un peu malade, automatiquement je dis des conneries encore. T'es malade. Ouais, je suis encore un peu malade. Ça fait 2 semaines que je suis tombé malade, après, on va dire. Où ça? Bah, où ça? Bah, chez moi. Et du coup, je vais aller en cours. Rhume, grippe. Ah, j'ai eu la totale, hein. Cherche-moi. Oh merde. Toutes les condoléances. Bon, yeah. J'ai créé mes 3 nouvelles popos. Non, je vais pas les mettre là, ça. Je vais plutôt les mettre par. Bon, ben, j'ai fait des potions splash anti-feu. Ah, mais si c'est anti-feu, faut pas les faire des splash. Ah, c'est la même, c'est la merde, parce qu'après, si on coule dedans. Bon, pas grave. On les jettera avant de. Le mec, il est en train de tomber. Non, la potion, il faut que je la jette. Oh merde, elle est en haut de moi. Oh non. Oh mon dieu, des vénères. Les gars, si vous vous posez, ne vous posez pas de questions sur ce que je suis en train de construire à côté de ma maison, c'est pour. C'est ma petite sœur en fait. Bonjour. De quoi, je t'ai trop compris. Je suis en train de construire une serre. Ok. Bon, et toi, qu'est-ce que tu fais là, toi? Contre les gars, t'as on quoi a comme pas épée, Steve? Une épée en diamant enchanté. Non, enchanté quoi? Châtiment 1, mais je te pète quand même. Ok. Eh, sympa ces trucs. Parce que déjà, d'un, j'ai une armée enchantée qui où je suis plus résistant, et de deux, j'ai quand même une épée plus puissante que la tienne. T'as compris? Pourquoi t'as quoi, Maxime, comme enchantement? Bah, j'ai dit tranchant 1. Ouais. Et toi, t'as quoi, Steve? Châtiment 1. L'épée la plus puissante, celle de Maxime, elle est en quoi? Fer. Ok, donc c'est celle de Steve. Ah, bah oui, fer. Parce que tranchant bat le châtiment, mais comme c'est du fer contre du diamant. Non. Et bah, ouais. Et en plus, comme j'ai une armure enchantée. Protection 1 au casque et non, au bot. D'enchanter une épée enfin une pioche en fer. Ouais. Bon, eh ben, c'est l'heure de dire adieu. Ça fait déjà 30 minutes de vidéo. Des briques du Nether. Alors, le pinou de lapin va aussi couper sa vidéo de ce côté quand même. Parce que le traré, eh ben, il a envie de se reposer un peu. Oh, mais j'ai trop envie d'avoir les briques du Nether. Tu vas te faire. Bah, tu prends le portail et t'en as plein à ramasser. Ok, salut. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ciao, ciao tout le monde. Ciao. Bah, je dis, il y a moyen qu'on s'en refasse une. Ah bah, tu vas te faire foutre, j'en ai plus de ça.